suis adepte du sans labour, donc travailler le moins possible le sol. Je ne vais pas trop aller chahuter les vers de terre en profondeur. Quoi. Moi, j'ai choisi un outil mulcheur, deux rangées de disques. La deuxième rangée de disques passe derrière la première, à peu près. En fait, le but, c'est que prendre un peu de terre dans le même endroit pour l'acheter sur le... Faire un sillon, en fait. Et puis là, après, on a les rouleaux spires pour les mottes, tasser les mottes et puis faire le niveau de l'appareil, de profondeur. Ouais. Il est capable de faire lever les mauvaises graines. Ça peut aller jusqu'à 7-8 cm pour atteindre les œufs de limace, par exemple, aussi. Mais pas la première fois. Il faut un deuxième passage. On a des sols qui sont beaucoup moins hydromorphes, quoi, qui respirent. Parce que la matière organique elle, c'est toujours dessus, quoi. C'est ça l'avantage, la matière organique. Et puis dans les végétaux, ça passe tout seul, quoi. Il n'y a pas de bourrage. Pas de bourrage et encore plus de précision, en particulier dans ces champs vallonnés, depuis que Marcel Mézeret a investi il y a un an dans le système d'autoguidage par satellite Starfire 3000. En fait, c'est l'appareil de guidage qui reste sur la ligne à 1-2 cm près. Quoi. Il n'y a plus de manœuvre dans les bouts, on taille des planches, on tombe toujours juste à la fin, on n'a pas de croisement. Avant, c'était ce qui se passait, on ne pouvait pas arriver à tailler quelque chose dans une parcelle, à part d'avoir des passages de traitement auparavant. Je ne pensais pas l'utiliser autant, tous les outils sont répertoriés à l'intérieur. Et puis toutes les parcelles, jusqu'à la plus petite, sont répertoriées.